Totalement imberbe des pieds à la tête, Maxime Rioux. On va donner les audiences. J'ai un peu de poil quand même, non? Ouais, juste sur le visage. Un petit peu. On parle des audiences d'hier soir et le gros succès de TF1. Et oui, beau succès pour TF1 avec les deux premiers épisodes de sa nouvelle série Une chance de trop avec Alexandra Lamy. Très beau score, hein, plus de 7 600 000 téléspectateurs et 34,1% de part d'audience avec un premier épisode suivi par plus de 7 900 000 téléspectateurs. Deuxième place pour France 2 avec Envoyé spécial, le magazine de Guylaine Chenu et François Joly qui proposait notamment un sujet très fort, hein, sur l'antisémitisme. 2 700 000 fidèles et 11,3% du public. Troisième place pour France 3 avec le film d'action Unstoppable avec Denzel Washington, plus de 2 millions de téléspectateurs et 8,5% de part de marché. Et puis la grosse surprise, nom de Zeus Marty, il y avait TMC avec le film Retour vers incroyable. Le futur, incroyable, qui bat donc M6, donc 1 500 000 téléspectateurs du côté de TMC qui diffusait donc le film Retour vers le futur à l'occasion du 30e anniversaire du film. Et donc M6 qui est à la 5e marche du podium, M6 avec le film Twilight chapitre 3 Hésitation, 1 200 000 téléspectateurs ont passé la soirée avec Robert Pattinson et Kristen Stewart, 5,3% du public, un petit score donc pour M6. Voilà, c'est vraiment les deux infos, hein, à noter aujourd'hui, c'est le grand succès de TF1 et puis M6 battu par TMC, c'est assez incroyable. Du côté de la TNT, autre chose à noter ou pas? On notera également le beau score de France 4 avec la série Cold Case Affaire Classée qui est quasiment au million, hein, 993 000 téléspectateurs présents hier. En deuxième partie de soirée, il y avait France 2 avec un nouveau numéro de complément d'enquête, le magazine de Nicolas Poincaré qui se demandait si nous étions tous devenus parano après les récents attentats, un sujet très fort et un beau score, 1 300 000 téléspectateurs et 8,8% du public. Et comme tous les jours, on jette un petit coup d'œil du côté de l'Access Prime Time. Avec TF1 et MoneyDrop qui est à un très haut niveau, hein, 3 800 000 téléspectateurs hier. Nagui reste dans sa moyenne sur France 2 avec N'oubliez pas les paroles à plus de 3 millions hier. Du côté des talk shows, beau score pour D8 avec Touche pas à mon poste, 1 400 000 fidèles au rendez-vous de Cyril Hanouna. Notera également le beau score de C'est à vous à 823 000 et puis le beau score également de Secret Story et son débrief à 609 000 téléspectateurs présents hier sur NT1. Merci beaucoup Maxime Rioux. J'ai des messages qui me disent que vous avez dit que M6 était cinquième et au pied du podium. Et donc c'est un grand podium. Voilà, Maxime est le seul à avoir inventé le podium à 5 places. Exactement. Bravo Maxime, déposez-le tout de suite.